Introduite en Côte d'Ivoire depuis 1959, dans les buts de réforestation et protection des sols, la culture de l'anacardier devient progressivement une spéculation de rente, avec une production évoluant de 9100 tonnes en 1990 à plus de 702 000 tonnes en 2015. Du fait de la vocation initiale de l'anacardier, qui était de lutter contre l'avancée du désert, aucune stratégie nationale d'assistance technique aux producteurs n'avait été entreprise. Il est aujourd'hui incontestable que la cajouculture suscite un vif engouement en Côte d'Ivoire, tant en zone de savane qu'en zone préforestière. Cela grâce au commerce de la noix brute de cajou, qui apparaît comme une véritable culture de diversification. Conscient de ces réalités propres à la filière, le gouvernement a décidé, dans le cadre de la réforme des filières coton et anacarde en 2013, la mise en place d'un dispositif d'encadrement dédié à la filière. Celui-ci devra permettre de contribuer durablement à l'amélioration des rendements, de la qualité des noix et des revenus des producteurs. À cet effet, une convention cadre tripartite portant sur le Conseil agricole a été signée le 21 mars 2014 entre le Conseil du coton et de l'anacarde, le FIRCA et l'ANADER pour une durée de 4 ans, exécutée à travers des contrats spécifiques annuels. Sur la base de cette convention, l'ANADER a été chargé d'assurer la diffusion des plans améliorés, la formation et le suivi des producteurs à la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles, création, réhabilitation et entretien des parcelles, opérations de récolte et post-récolte, l'identification des producteurs et des parcelles, l'élaboration des prévisions de récolte et le suivi des statistiques de production, le suivi des pépiniéristes agréés chargés de la multiplication des plans améliorés. L'outil principal du Conseil agricole est la vulgarisation, ensemble de méthodes qui permettent de mettre à la portée des producteurs le progrès pour améliorer leurs habitudes de travail, augmenter leurs revenus et donc améliorer leur niveau de vie. La mise en œuvre des technologies diffusées permet aux producteurs d'améliorer la productivité de sa plantation, d'accroître ses revenus et d'améliorer son niveau de vie. Les quatre grandes phases ou étapes de l'itinéraire technique de l'anacardier à mettre en œuvre par le producteur afin d'obtenir de meilleurs résultats d'exploitation sont les suivantes. Étape 1 sur 4, la création de la plantation. Choix du sol. Le choix de la parcelle part d'un certain nombre d'indicateurs. Il est question pour l'exploitant, à partir des conseils avisés de notre conseiller agricole, d'identifier une parcelle suffisamment plate, profonde, qui draine bien, qui est léger, qui ne comporte pas de croûte latéritique. Et il faudrait que le sol ne soit pas hydromorphe. Ce sont ces caractéristiques-là qui sont propices à la culture de l'anacarde. Il faudrait que la pente soit également faible, une pente faible pour éviter l'érosion hydrique. Nettoyage de la parcelle. Il est question de faucher à partir soit d'une daba ou bien de la machette le couvert végétal et faire le débardage. Piquetage. Les écartements entre les lignes, c'est 10 mètres. 10 mètres également entre les interlignes pour pouvoir respecter la densité de 100 plants à l'hectare au niveau de l'anacardier. Pour une opération de piquetage, prévoir des piquets. Les piquets se préparent au moment du défrichement. Avoir des piquets d'au moins 1,25 m, 1,30 m de longueur. Prévoir un marteau pour taper sur les piquets. Avoir un cordeau de 50 à 100 cm en fonction de ce que vous voulez faire. Prévoir un ruban métrique. Avoir des personnes, au moins 4 personnes pour faire un piquetage. Pour une opération de piquetage, il faut choisir une ligne de base. La ligne de base est choisie en fonction de la plus grande partie du terrain ou bien en fonction d'une pente. Sur cette parcelle, nous avons déjà déterminé la ligne de base. Maintenant, il nous faut les lignes de plantation qui seront perpendiculaires à notre ligne de base que nous allons déterminer. Pour procéder à notre méthode 3K5 pour déterminer la ligne de base, alors il nous faut un gabarit de 3 mètres, un autre gabarit de 4 mètres et un dernier gabarit de 5 mètres. Maintenant, comment nous avons disposé ces gabarits, comme vous le constatez,
celui de 3 mètres et de 4 mètres forme un angle droit à partir de notre ligne de base. Puis, le gabarit de 5 mètres forme notre diagonale qui nous permet de déterminer qui permet de savoir si on a effectivement un angle droit. Et une fois qu'on a l'angle droit, à partir de cette ligne-là, on détermine nos 10 mètres. Pour ceux qui n'ont pas de bambou, qui ne disposent pas de branches suffisamment longues pour pouvoir faire la perpendicularité, et on leur conseille plutôt des cordeaux qu'ils vont dimensionner à 3 mètres, 4 mètres et puis 5 mètres pour pouvoir faire aussi le même travail, l'exercice que nous avons fait de suite. Après la détermination de la ligne de plantation, à chaque 10 mètres, on va déterminer l'emplacement de notre piquet. Donc ici, nous avons notre premier piquet que nous mettons à 10 mètres de la ligne de base. Après, nous continuons en plaçant à 10 mètres de notre premier piquet un autre piquet aussi. Et ainsi de suite se poursuit l'activité. Trouaison et rebouchage. Cette activité consiste à creuser là où nous avons placé les piquets. Et donc, pour ce faire, j'ai besoin de deux gabarits de 50 cm chacun. Je vais enlever mon piquet, puis à l'emplacement de mon piquet, placer les deux gabarits de sorte à créer une perpendicularité entre les deux gabarits Après, je matérialise les bordures de mes gabarits. Une fois matérialisé, je détermine la partie à creuser. Et cette partie-là doit former un carré. Et ce carré aura 50 cm de côté. Donc, voici ainsi délimitée la partie à creuser. À l'aide d'un ciseau palmiste, je vais commencer à creuser mon trou. On lui montre quelle est la partie du sable qui doit être de côté. C'est celle qui est riche en humus. Donc, le producteur connaît maintenant et il sait aussi que la partie profondeur, on le met de côté. Et une fois que c'est fait, il faut respecter la limite qu'on s'est fixée dès le départ. Et tu creuses jusqu'à 50 cm de profondeur. Ici, c'est juste, c'est normal, c'est bon. Donc, une fois fini notre opération de trouaison, on va maintenant passer à la phase de rebouchage. Et le rebouchage consiste à mettre d'abord la partie arabe, c'est-à-dire la couche de surface en profondeur, pour pouvoir enrichir, puisque la profondeur est pauvre en éléments minéraux, tels que la matière organique, il n'est pas en profondeur. Donc, la racine de l'anacardier qui va en profondeur vont bénéficier de ça plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on met la partie superficielle en profondeur. Et ensuite, on ajoute la partie de profondeur là pour faire le rebouchage. Comme nous sommes en saison de pluie, et pour éviter que notre trou devient compact, voilà, on va former une butte sur la partie où nous avons creusé notre trou et ensuite nous matérialisons le trou par le piquet. Semis. Avant d'aller en plantation, il s'agira pour l'exploitant de lever la dormance de ses noix. C'est une opération qui consiste à tremper pendant 24 heures les noix présélectionnées et renouveler l'eau toutes les 6 heures. Juste le lendemain, on pourra, si vous voulez, transporter ces noix sur la parcelle et faire procéder à l'opération de semis. Pour semer, il nous faut retirer notre piquet. Nous, il faut déterminer l'emplacement
de nos noix. Mmh. Et donc, ici, par exemple, mmh, voilà, là, là et là, nous plaçons nos noix. C'est la partie concave ici, cette partie-là qui va en bas. Et la partie où la racine sort, c'est cette partie-là. Et c'est cette partie-là qui va un peu légèrement en profondeur, en bas, pour que la racine puisse sortir, pour que le développement de la plante n'ait pas de problème. Oui, mais comme ça, tu vois, non? Ça, c'est bon, vous fermez. Donc, faites le reste. Voilà. Non, il ne faut pas appuyer le sol dessus. Non, non. Il faut que ça soit aéré. Voilà. Voilà. Une fois fait, on repique notre piqué. C'est pour savoir que nous avons planté ici et qu'après, si on constate que ça n'a pas germé, il faut les remplacer. Planting. Pour faire le planting, on va creuser notre trou selon la longueur de notre sachet. Et une fois que on a fini, pour faire le planting, nous allons couper le sachet. Avant de planter, pour enlever le sachet, il ne faudrait pas que le sachet soit enterré avec l'anacarde. On referme notre sachet jusqu'au collet de la plante. Et une fois que c'est fait, n'oublie pas de mettre toujours le piqué pour matérialiser et... Non, le piqué déjà matérialise l'endroit où on a fait notre planting. Et quelques semaines après, si la plante meurt, on peut remplacer. Une fois que tu as fait le planting, tu débarrasses les sachets du champ.